We have a membership yet. If we took that shit right now, we'd be tweaking. Yeah. We'll take that shit at the gym, actually. Yeah, that's weird. My dark Yummy. Like, what do I actually say? Yummy. For the bowl? Bigger. Let me think about my protein. Pitié. Please. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, nouvel objectif. La qualité, elle a step up de zinzin, un truc de fou. J'utilise plus ce petit machin de merde. C'est cet objectif nul. Aujourd'hui, on évolue. Vraiment, le contenu maintenant, il va évoluer de zinzin. Bref, les gars, petit repas. On est sur du... steak, un steak, il y a seulement un seul steak. Steak, 220 g de pâtes, 2 œufs, 220 g de pâtes crues. J'ai pas beaucoup mangé ce matin. Là, je vais manger à fond parce que juste après, je vais m'entraîner. Je vais aller faire les pecs. Je vais vous filmer les pecs. Mais, ce sera les premiers vrais rushs de cette caméra. Enfin, en vrai, j'ai filmé pour prendre la main avec ce nouvel objectif. J'ai filmé 3-4 séances d'affilée. De quoi avoir un peu tâté le truc. Certes, c'est seulement un objectif. Parce que normalement, généralement, on tâte surtout de la caméra. Mais pour un peu m'habituer et tout à la qualité, au zoom surtout. Et au plan. Du coup, voilà, j'ai tâté un peu. J'ai sûrement dû faire une énorme compile de tout ça en intro de vidéo, je pense. Je sais pas du tout comment ça se passait, j'ai pas du tout commencé le montage. Mais j'ai tellement de rush, du coup je pense que je vais prendre les meilleurs rushs, je vais tout foutre en intro. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pec, on va s'exposer ça. Avec ce genre de repas, niveau glucides, je vais être très bien. Je vais m'envoyer du prêt, comme d'hab. Origine, je viens de recevoir deux autres. Enfin, deux doses encore. Enfin, deux. Bref. Il y en a trois là. Celui-là, je suis pas en train de le finir, mais il est déjà à moitié. Faut dire que je consomme. Vraiment, je consomme du prêt. Mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, my protein, pitié. Pitié, sponsorisez-moi les gars, je suis en train de ralas tous les mois, toutes les 3 semaines environ. Je suis en train de mettre de l'argent dans votre marque. J'ai besoin d'une sponsor. Please, pitié. Enfin bref. On est le 15 octobre. Ça fait un mois et demi de prep. Et je crois que j'ai pas fait de... Je ne sais plus si j'ai fait une update. Mais là actuellement, je suis plus en prise de masse. Enfin si, je le suis techniquement... Au niveau de mes macros, je le suis. Mais je prends beaucoup moins. Parce que je suis en train de recomposer. Je suis littéralement en train de faire plus de 15 000 pas par jour. Avec du cardio à droite à gauche. J'ai du vélo de temps en temps. Ça pique un peu. Là, j'étais monté à 86 prime bulk. C'était au bout d'un mois. Et là, ça fait 2 semaines que je recompose. Je suis à 85. J'ai perdu 1 kg. Dedans, franchement, faut compter du fat. Faut compter de l'eau, mais j'ai bien recomposé, vraiment, ça s'est très bien passé. Du coup, là, vu le repas, là, je suis en train de renvoyer en fait, j'ai très faim. Maintenant, j'ai très faim. À force d'avoir dépensé, j'ai très très faim. Donc là, je mange de fou. Depuis hier, je mange de zinzin. Donc voilà. Ça se passe très bien au niveau prépa. Malgré la recomposition, étant donné que je dépense un peu plus. Taux continue à augmenter. J'avais l'épaule gauche qui m'a fait un petit peu mal pendant une semaine et demie. Ça, c'est vraiment chiant, les gars. D'ailleurs, si jamais il y en a parmi vous qui ont ces soucis-là de la fameuse épaule gauche à cause du bench, échauffez-vous de fou. Et mettez votre ego de côté et juste 2-3 séances, allez léger. Cherchez un pump, pas mal de reps, mais pas du tout de lourd. Vous allez me remercier, les gars. Donc voilà.
Je finis de manger ça. Et forcément, on se retrouve à la salle. Yummy. Avant que je vous envoie la séance, les gars, je voulais juste vous dire. Je voulais juste un peu présenter ma séance parce que à chaque fois, je vous montre l'entraînement et tout, sous musique, etc. Mais je vous parle jamais vraiment de l'entraînement. Mais là, juste avant que la séance PEC commence, je vais vous présenter un peu. Comment je fonctionne et c'est quoi un peu à peu près ma séance en fait, parce que vous la voyez souvent, mais bon, un peu compliqué à comprendre forcément, j'en parle pas trop. Donc sur cette séance PEC, en vrai j'ai toujours la même séance PEC, elle change très rarement, elle change très peu. Mais en gros ce qui se passe c'est que je commence toujours avec de l'incliné. Alter, là de base, des fois j'en fais aussi à la Smith. Mais actuellement, la surcharge se fait avec de l'haltère et j'aime beaucoup le mouvement. J'aime beaucoup la liberté que j'ai dans ce mouvement-là et en plus, c'est un polyarticulaire. Et donc, je fais généralement entre 2 et 3 séries de travail, entre 8 et 12 reps. Ça dépend un peu de l'intensité que j'ai envie d'envoyer, des charges de travail que j'ai envie d'envoyer. Et juste après que j'ai fini, j'envoie direct de l'isolation, du vis-à-vis. À chaque fois, franchement, c'est du vis-à-vis. Ça peut arriver que je fais du fly, du chest fly pardon, enfin du pec deck comme vous voulez. Mais là je fais du vis-à-vis, du pec vis-à-vis. Plutôt haut, mais je me penche vraiment vers l'avant pour pouvoir avoir un max d'étirement au niveau des pecs. Et généralement je fais pareil, 2-3 séries de travail. Au niveau des répétitions, franchement je vais à l'échec, mais généralement j'arrive à me retrouver entre 12 et 15 reps. Donc c'est plutôt pas mal pour l'hypertrophie. Et vu que c'est assez léger de base, ça va, genre les reps sont pas difficiles. Et en fait je manque un peu des fois de stabilisation, mais de stabilité pardon, parce que bah ça commence à être de plus en plus lourd. Et retenir le poids avec mes jambes, ça commence à un petit peu être chaud. Du coup je pense que je vais bientôt mettre un bench. Mais on va voir comment ça va se passer. Je suis pas encore sûr de moi au niveau de ça. Après généralement ce que je fais aussi c'est juste après du coup l'isolation. Je tape un chest press, malheureusement à Basic Fit, les chest press sont pas si fous que ça. Du coup, je vais à la Smith et je mets du demi-incliné à 15% et du coup j'essaie d'envoyer le plus d'arrêts possible assez lourd. Faut toujours avoir un chest press, un mouvement de poussée assez lourd sur une machine. C'est super important, vraiment. Pour les pecs, les gars, c'est trop important d'avoir un poly libre. De l'isolation et du chest press, enfin un mouvement où vous poussez lourd pour le développement des pecs, c'est super important. Et personnellement, ça m'a fait développer mes pecs, mais un truc de fou. Avant, j'étais en mode poly. À la fin, j'avais un exo d'isolation de quoi me finir, alors que c'était tout pourri en fait. Vraiment, c'est trop important. Je vous recommanderais toujours d'avoir ce genre d'exo, enfin ces trois là en fait, pour vos pecs, c'est trop important. Et à la fin, pour le coup. À la fin de ma séance pec, du coup, je défonce une dernière fois les pecs sur un autre exo d'isolation, mais vraiment avec deux séries à l'échec, même des fois une, juste vraiment de quoi finir les pecs. Et après, j'envoie de l'épaule. Et au niveau des épaules, franchement, je fais pas grand chose aussi. Élévation latérale, élévation frontale, ce genre de choses. Vraiment, j'ai jamais été trop militaire et pourtant, j'ai réussi à développer mes épaules avec seulement des élévations. Mais juste avec des degrés, des formes, des prises différentes, vraiment j'ai juste développé mes épaules comme ça. Donc voilà, après aussi à la fin j'ai des abdos. Actuellement je me suis mis à faire beaucoup beaucoup d'abdos. De base j'en faisais tous les deux jours, mais là je me suis dit bon autant envoyer presque tous les jours. Pourquoi pas voir comment ça fonctionne, enfin voir comment ça avance en fait tout simplement. Donc voilà, c'est ma séance d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Et n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire les gars, super important. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Donc voilà les gars, je vous laisse maintenant avec la séance PEC. Pour être honnête, je vous filme après la séance PEC. Je l'ai déjà faite. On est le lendemain de la séance PEC. Mais je suis très mal organisé pour filmer mes intros et mes outros. Donc voilà. Je vous laisse avec la séance. Allez. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside.
See what you.